Le ministère chinois du commerce a annoncé que les entreprises et les co-entreprises de la RBDC présentes en Chine devront fermer d'ici les 120 jours, suivant les nouvelles sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptées le 11 septembre. Les co-entreprises chinoises présentes à l'étranger et ayant des entités ou des personnes originaires de la RBDC devront aussi fermer, mais le ministère n'a pas précisé d'échéance les concernant. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité pour renforcer les sanctions contre la RBDC en interdisant ses exportations de textiles et en limitant son approvisionnement en carburant après que Pyongyang ait mené son sixième et plus grand test nucléaire au début du mois.